session clairement. qui est enregistrée. C'est une session de Meet the Experts de la clinique cardiologique 2 du CHU Mustapha Alger. Et on a l'immense plaisir de vous accueillir. Sans plus tarder, on vous donne la parole Merci pour. beaucoup. Merci. Voilà, comme je l'ai dit, je suis le docteur Huberti, je suis un des médecins ici au service de gastro-entérologie à l'hôpital Erasme et je suis le responsable de l'endoscopie. J'ai moi-même pas mal travaillé sur des projets de développement concernant des nouvelles techniques en endoscopie, dont je vais vous parler un peu plus tard. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Je commence avec une introduction générale dans le domaine de l'obésité, puis on va parler des traitements disponibles et surtout des traitements endoscopiques. J'aborderai ensuite la prise en charge multidisciplinaire des patients au sein d'un trajet de soins en obésité et quelques conclusions pour terminer. Donc, l'obésité est une maladie chronique avec des échecs où les gens reprennent du poids et reviennent nous voir. Il faut savoir qu'aux États-Unis, 37% de la population est atteinte d'obésité ou de surcharge pondérale. En Europe, on est à 30%. Donc, on a quand même un tiers de notre population qui souffre d'obésité ou de surpoids. C'est associé à plus de 260 maladies. Donc, ça a des coûts en termes de soins de santé qui sont énormes. Et bien sûr, la prévention primaire est la clé de la prise en charge à travers le système d'éducation. Maintenant, chez nous, en Europe et aux États-Unis, on a des critères de prise en charge chirurgicale avec des indices de masse corporelle de plus de 40 ou de plus de 35 associés à des problèmes de santé. En deçà de ça, nous n'avons pas accès aux techniques chirurgicales, ce qui veut dire qu'il y a toute une partie des patients qui vont rester sans possibilité d'avoir des traitements, raison pour laquelle de multiples alternatives se sont développées. Parmi les patients obèses, on voit que seule une personne sur 1 000 va aller vers l'intervention chirurgicale, ce qui veut dire que même les gens qui ont des critères d'accès à la chirurgie, seul un patient sur 1 000 va accéder à cette chirurgie, ce qui veut donc dire qu'au-delà des patients qui n'ont pas accès aux techniques chirurgicales, il y a vraiment une énorme majorité des gens qui ne vont pas se faire soigner, qui vont rester avec des problèmes de santé liés à l'obésité. Alors, ça, c'est la carte de la Belgique. C'est la carte de l'Europe. On peut voir effectivement la Belgique qui se situe ici, qui est le tout petit pays. Chez nous, on a 25% d'obésité, 30% si on prend en plus la surcharge pondérale. On voit qu'on a des pays avec plus que ça. Aux États-Unis, en Angleterre, à 30%, en Lituanie aussi, en France, 23%. Donc, ça va bien. Mais donc, on a une disparité au sein des populations. En Europe, néanmoins, on est tous relativement obèses, en tout cas à plus de 20%, c'est-à-dire plus d'une personne sur 5. Par rapport aux interventions chirurgicales, on voit que en Belgique, en Hollande et en France, les gens interviennent beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interventions chirurgicales qui se passent, principalement des sleeves et des bypass. Contrairement à l'Allemagne ou l'Espagne, où là on a peu d'interventions chirurgicales. Néanmoins, on reste avec un range global de moins de 1 patient sur 1 000 qui va avoir accès aux techniques chirurgicales, principalement parce que le patient n'est pas au courant, pas éduqué ou a peur de l'intervention et que donc il ne va pas y aller. Ici, on a la courbe des indices de masse corporelle. Que vous voyez ici, avec la majorité des gens qui sont dans la courbe standard entre 18,5 et 25. On commence ici à la courbe au-dessous de 25. Patients avec obésité sévère, accès à la chirurgie. Patients avec une simple surcharge pondérale, indice de masse corporelle entre 25 et 30. On a plutôt tendance à leur proposer une modification de leur comportement alimentaire et une prise en charge diététique. Et entre les deux, c'est-à-dire tous les patients qui ont des indices de masse corporelle entre 30 et 40 sans comorbidité, on a la place ici qui correspond quand même à 25% de la population. On a quand même de la place pour les traitements endoscopiques. Hop. Oups. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a comme traitement à notre disposition actuellement? Vous voyez en foncé, ce sont les traitements qui sont actuellement disponibles chez nous en Belgique. On a la sleeve qui consiste à faire un agrafage vertical d'une partie de l'estomac, le bypass qui consiste à la création d'une poche et d'une anse de dérivation en Y
qui donne encore plus de résultats en termes de perte de poids. On a des nouvelles techniques qui arrivent comme le switch duodénal et l'application gastrique chirurgicale qui n'a pas encore fait ses preuves en termes de résultats thérapeutiques. En termes endoscopiques, on a le ballon intragastrique qui est actuellement la technique la plus répandue, consiste à gonfler un ballon rempli d'eau dans l'estomac, une technique relativement simple qui prend une quinzaine de minutes sous déconnexion et qui donne de bons résultats, mais extrêmement temporaires en termes de perte de poids. Puis on a des techniques de suture qui amènent de meilleurs résultats en termes de perte de poids avec peu de risques de complications. Et ensuite, toute une série de nouvelles thérapeutiques qui sont actuellement expérimentales, mais qui peuvent, dans un avenir proche, remplacer les techniques chirurgicales. Par exemple, des techniques de sleeve, donc de manchon, qui sont déposées soit au niveau de l'œsophage et qui vont engendrer un bypass des sucs gastriques et digestifs avec les aliments, soit de sleeve duodénaux. On a des techniques également de mini-bypass qui peuvent être réalisées au travers d'aimants qui vont réaliser des anastomoses en général intestinales, par exemple entre l'intestin proximal et l'intestin distal. On a des techniques d'aspiration, on vient mettre des sondes de gastrostomie qui vont permettre la vidange de l'estomac, aussi incroyable que ça puisse paraître. On a des techniques de neurostimulation qui vont engendrer des gastroparésies et un sentiment de satiété précoce. Dispositifs qui vont prendre de l'espace à d'autres endroits ou des techniques de resurfaçage duodénal. Savoir que comme toutes ces techniques sont relativement nouvelles, on a eu en même temps des guides de conduite concernant la prise en charge et les résultats qu'on devait attendre avec celles-ci. On doit s'attendre à un résultat de plus ou moins 25% de perte d'excès de poids ou de 5% de perte de poids total à un an. Il faut savoir que 5% de poids total, ce n'est pas énorme. Néanmoins, on est avec des ranges d'indices de masse corporelle qui ne sont eux aussi pas énormes. Et d'autre part, 5% a déjà démontré son efficacité quant à l'amélioration des comorbidités, c'est-à-dire qu'on va déjà, avec 5% de perte de poids total, améliorer le diabète, diminuer le risque cardiovasculaire, diminuer le risque d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral. Pour vous donner un petit ordre d'idée, pour la perte d'excès pondéral, donc on calcule avec un indice de masse corporelle de 25 et on considère qu'une sleeve est efficace quand le patient a perdu 50% de son excès de poids à un an et pour un bypass, 60%. Et donc, on estimait que 25% était un cut-off raisonnable. Il faut ensuite qu'il y ait une différence entre un groupe traité et un groupe contrôle de plus de 15%. Ces patients qui ont des reprises de poids après chirurgie, chez qui on va faire des traitements endoscopiques, il faut qu'ils aient également une perte de 5% du poids total, avec un risque d'effet secondaire sévère relativement faible, moins de 5%. Et si tous ces critères-là sont répondus, alors on peut étendre aux obésités de classe 1, c'est-à-dire les indices de masse corporelle entre 30 et 35, ce qui nous permet de prendre l'entièreté, je dirais, des patients qui ne sont pas pris en charge par la chirurgie. Ballon intragastrique, comme je l'ai expliqué, on vient gonfler un ballon dans l'estomac. Il y a des ballons qui sont remplis avec du liquide, des ballons qui sont remplis avec de l'air, des ballons qui sont remplis avec du gaz. Ils peuvent être avalables ou pas, ils peuvent être ajustables ou pas. Les pertes de poids en général, 25% à un an, donc on atteint tout juste le cut-off, mais la reprise de poids est la règle. Si on suit 100 patients pendant 2 ans et demi, on a seulement 20 patients qui vont maintenir leur perte de poids après 2 ans et demi. Donc c'est vraiment un traitement ponctuel qui doit s'inscrire dans le cadre d'une prise en charge plus complète afin que le patient modifie son comportement alimentaire et change complètement sa manière de s'alimenter. Sinon, on n'a pas d'efficacité sur le suivi à long terme. Donc ça, c'est un autre dispositif qui vient se mettre dans une partie dans le duodénum et une deuxième partie dans l'estomac, qui s'appelle le Transpyloric Shuttle, qui est fait par une société qui s'appelle Baronova. Ils sont actuellement en phase de testing. Ça ressemble assez bien à un bouchon qu'on vient mettre dans un évier. C'est une procédure qui va engendrer un blocage de la vidange de l'estomac et permettre un passage temporaire des aliments, qui va donc engendrer un sentiment de satiété précoce, un certain inconfort abdominal, raison pour laquelle les gens vont avoir tendance à limiter leur quantité et perdre du poids. Comme vous pouvez le constater, il n'y a que une relativement faible étude qui concerne 20 patients, vraiment une étude très pilote, qui a permis de mettre en évidence des pertes de poids relativement conséquentes, avec 31% à 6 mois, 50% à 12 mois de perte d'excès de poids.
Et on attend les résultats de l'étude d'efficacité qui comportait, elle, 270 patients suivis pendant un an. Ensuite, on a toutes les techniques de suture. Il y a des dispositifs de suture qui peuvent se mettre sur l'endoscope, soit sous forme d'un overtube, soit le long de l'endoscope, soit qui peuvent se clipper dessus. Alors, la première technique qui est une procédure tout en un, je dirais, on a un gros endoscope qui contient à la fois un endoscope, une pince et le dispositif de suture, consiste à placer des ancres, donc à pincer la paroi de l'estomac, de manière à placer des ancres au niveau de la paroi de l'estomac, qui sont des petits parapluies qui vont se clipper de part et d'autre et en serrant, d'avoir un système de suture qui tient. Il y a une étude qui a été faite sur plus de 300 patients, 200 patients dans un groupe traité, plus de 100 patients dans un groupe sham, qui a permis de mettre en évidence une différence statistiquement significative entre les deux groupes, c'est-à-dire qu'on passe de 5 à 38% de perte de poids total, mais malheureusement, ils n'ont pas atteint leur cut-off de 5% de perte de poids total à un an, raison pour laquelle ils ont modifié un peu leur technique et ils arrivent maintenant avec une nouvelle version d'un dispositif qui semble plus efficace en termes de perte de poids et ils sont en train d'essayer d'effectuer leur étude d'efficacité, c'est-à-dire de démontrer qu'ils arrivent à plus de 5% de perte de poids à un an. Et on voit ici le placement d'une plicature qui vient se mettre au niveau de la paroi de l'estomac. Alors, le deuxième dispositif, c'est un dispositif que j'ai développé avec les ingénieurs de notre université, qui consiste à avoir une plateforme qui peut se mettre sur n'importe quel type d'endoscope et qui vient placer des sutures. Donc, on peut vraiment décider de réaliser des sutures où l'on veut dans l'estomac. On travaille principalement au niveau du corps de l'estomac, c'est-à-dire entre l'antre, qui est la portion distale, et le fundus, qui est la portion proximale, et essayer de tubuliser cet estomac à la manière d'une sleeve chirurgicale. On a effectué plusieurs études avec différents types de patients, une étude de sécurité, on a suivi une étude d'efficacité. On vient de terminer notre étude randomisée et contrôlée qui vient d'être publiée dans Gut, qui est un gros journal de gastro-entérologie. Cette étude a comporté une septantaine de patients, 50 dans le bras traité et 20 dans le groupe contrôle. Elle a mis en évidence une perte de poids relativement conséquente, de 42% de perte de poids à un an et une perte de poids statistiquement significative entre le groupe traité et le groupe sham. Donc, ce sont des procédures qui engendrent des restrictions au niveau de l'estomac. On voit ici le dispositif qui est placé autour de l'endoscope. On vient gripper avec une pince à travers le canal opérateur de l'endoscope. On tire le tissu entre les deux bras de la plateforme. On vient pousser l'aiguille qui contient un matériel de suture et qui va relarguer ce matériel de suture qui contient en fait une petite barrette avec un fil de suture, un nœud préfet. Et on vient ensuite tirer sur ce nœud préfet de manière à serrer la suture qu'on a réalisée. La dernière technique de suture est une technique qui vient se clipper sur l'endoscope. Cette technique permet de faire, contrairement aux techniques précédentes, des sutures continues, c'est-à-dire comme une machine à coudre, on vient réaliser plusieurs système de suture et une fois qu'on a fait entre 6 et 8 accrochages, on vient serrer l'ensemble et donc on arrive à tubuliser. Ils travaillent de la même manière en tubulisant le corps de l'estomac. Ils sont en train de terminer leur étude randomisée contrôlée, mais dans les études rétrospectives, ils arrivent à des gros résultats. Sur 250 patients, ils ont 15% de perte de poids total à 6 mois, 18% sur la petite portion de patients restants avec un taux relativement faible de complications. Et donc, ce sont toutes des techniques qui sont mises en place pour redonner un sentiment de satiété précoce aux patients, permettre d'avoir un coup de pouce pour modifier son comportement alimentaire. Il faut savoir que parmi toutes ces techniques, ben donc, comme vous voyez, le marché est gigantesque et donc il y a énormément de techniques endoscopiques qui se sont développées au cours du temps. Il faut savoir que toutes ces sociétés, bah, elles dépensent beaucoup d'argent pour commercialiser leurs dispositifs, pour réaliser des études, qui soient à la fois des études de sécurité, des études d'efficacité, des études randomisées contrôlées.
Et donc, il n'y a que les trois que je viens de vous présenter qui restent encore sur le marché. Toutes les autres ont disparu, soit parce que c'était trop cher, soit parce que les sutures sont trop superficielles et quand on n'accroche que la muqueuse et qu'on n'est pas transmural, qu'on ne vient pas prendre l'entièreté des couches de l'estomac, la suture ne persiste pas à long terme et donc on n'a pas d'efficacité sur le long terme. Ou ce sont des techniques qui sont trop complexes et donc peu utilisées en pratique clinique routinière. Il faut savoir qu'il y a également des nouvelles techniques qui sont en train d'arriver. Il y a un système ici qui s'appelle le GERDIX, qui est une aiguille qui passe de droite à gauche et qui permet de faire des sutures continues, un peu comme le système Apollo, ou un autre système endosib qui marche de la manière d'un tire-bouchon, c'est-à-dire qu'on va aspirer à l'intérieur d'un dispositif l'ensemble de la paroi et ensuite le tire-bouchonner avec une aiguille hélicoïdale et qui va mettre les parois l'une à l'autre. Donc, ces nouvelles techniques offrent de nouvelles questions. Il y a pas mal de gens qui sont des mauvais répondeurs. On a aujourd'hui plus ou moins une personne sur cinq qui ne perd pas de poids avec ces techniques-là. Comme toujours, quand on arrive avec des nouvelles technologies, il y a dans la manière de suturer l'estomac des questions qui sont de l'ordre de comment faire, comment est la meilleure technique en termes de temps et de manière de suturer l'estomac. Il faut savoir que pour une intervention de cet ordre-là, ça dure une quarantaine de minutes. Aujourd'hui, sous anesthésie générale avec intubation orotrachéale, mais probablement demain, en décubitus latéral gauche, sur des connexions au propofol. En termes de compréhension des mécanismes qui engendrent la perte de poids, on n'y est toujours pas non plus. Est-ce que c'est la réduction du volume? Est-ce que c'est le ralentissement de la vidange gastrique ou la motilité qui est ralentie qui engendre la perte de poids? De la même manière, dans le suivi diététique avant, après, l'intensité de celui-ci, on a encore des réflexions à mener. On a actuellement des nouvelles thérapies qui sont également en train d'arriver, qui sont des analogues du GLP-1, qui sont le liraglutide ou l'Ozempic, le sémaglutide, qui sont éventuellement des techniques qui peuvent plus tard se mettre dans des approches un peu plus step-up où on fait par exemple un ballon, puis une technique de suture, puis on va donner des analogues du GLP-1 de manière à améliorer la perte de poids. Alors, la suite de ma présentation parle des autres techniques existantes. On a ici une technique d'aspiration gastrique qui s'appelle le Aspire System, qui consiste à placer une sonde de gastrostomie, mais au lieu de pouvoir nourrir votre patient, vous allez lui enlever le contenu de son estomac. Ça fonctionne à la manière, donc ça paraît assez barbare, mais ça fonctionne à la manière suivante, c'est-à-dire que ça permet au patient de comprendre ce qu'il est en train de faire et de modifier son comportement alimentaire. Et on voit que dans les études qui ont été menées, on obtient des pertes de poids qui sont relativement conséquentes, 37% d'excès de poids à un an, versus 13% dans le groupe sham, avec peu de complications. Les techniques de sleeve, comme j'en ai parlé tout à l'heure, on voit ici une série de 12 patients avec des pertes de poids aux alentours de 54% à un an. Ce sont des techniques qui ne sont actuellement pas encore commercialisées, mais qui sont extrêmement intéressantes. Des techniques de dérivation, donc comme la sleeve au niveau proximal, mais plutôt au niveau distal, c'est-à-dire que celle-ci se place au niveau duodénal. Malheureusement, ces techniques-ci, viennent de perdre leur marquage CE parce qu'ils avaient beaucoup de serious adverse events, surtout des déchirures au niveau du bulbe liées au système d'ancrage qui sont en train de modifier maintenant. Néanmoins, la perte de poids et surtout l'amélioration des comorbidités comme le diabète était relativement importante. Ensuite, des nouvelles techniques sont en train d'apparaître pour l'instant. Technique de resurfaçage duodénal consiste à ablater la muqueuse duodénale à l'aide d'un cathéter à ballonnet qui est gonflé à chaud et qui vient brûler la surface du duodénum. Et on voit peu finalement de perte de poids, 4,6% à 3 mois, ce qui est relativement peu. Néanmoins, une amélioration de l'hémoglobine glycée de plus de 1% à 3 mois, ce qui semble être consistant dans le temps et quand même relativement intéressant pour des procédures qui sont peu invasives.
Et ici, une technique d'anastomose par aimant. On vient placer deux aimants, un par en haut, un par en bas. Ils viennent se rencontrer. Et grâce à la pression induite par le champ magnétique, on vient induire une fusion des tissus et une anastomose, en général jejuno-iléale, c'est-à-dire proximale à distale, et bypasser l'intestin. Donc ça, c'est un petit résumé avec l'ensemble des techniques. Et on voit effectivement ici les pertes de poids qui sont relativement intéressantes avec des techniques qui sont peu invasives et qui permettent aux gens des bons résultats sans complications. Alors, l'approche qu'on a ici à l'hôpital Erasme, on a deux groupes de patients qui viennent nous voir en dehors des critères chirurgicaux. Ce sont les patients du groupe A, principalement des femmes jeunes qui ont essayer de multiples régimes avec de multiples effets yo-yo et des petits poids qui doivent essayer de perdre un peu de poids, ou on a des gens qui sont plutôt en échec de thérapies multiples, qui ont déjà fait plein de régimes, qui sont un peu plus âgés, en général plutôt des hommes que des femmes, avec des problèmes de santé liés à leur indice de masse corporelle qui est plus élevé. Et donc, on a mis en place un système dans lequel le patient suit un trajet de soins qui est toujours le même, quelle que soit finalement sa demande initiale, qui est de rencontrer le chirurgien ou le gastro-entérologue, d'avoir un rendez-vous chez la diététicienne, chez le psychologue, chez le kiné, faire également une prise de sang, une récolte urinaire. Et au final, on a une évaluation multidisciplinaire. Tous les vendredis midi, on a notre réunion, on discute de l'ensemble des patients, d'être sûr que tout le monde adhère à son projet de soins et que tout le monde est d'accord avec la technique qui va lui être proposée. En général, technique qu'on va stratifier en fonction des critères du patient, son indice de masse corporelle, de ses comorbidités, mais également en fonction de son envie, de son désir et de sa capacité à modifier son comportement alimentaire. Suite à ça, on revoit le patient, on lui propose le traitement, et si celui-ci adhère au plan de soins, ben on va plus loin avec lui, on fait l'intervention, et on a ensuite un follow-up qui est le même également pour tout le monde, qui comprend en général des visites combinées chez la diététicienne et chez le médecin, assorties à des visites chez la psychologue, ainsi qu'un programme d'exercice physique, qui permet que l'ensemble des patients soient suivis de manière combinée, un programme qui dure en général 6 mois perte de poids et les 6 mois de stabilisation suite à ça. Et ensuite, on essaie de revoir nos patients, je dirais de manière annuelle, voir comment ils vont. Si on est patient chirurgical, s'assurer qu'ils n'ont pas de carence en vitamines ou en minéraux. En conclusion, de nombreux traitements, je dirais, pour l'obésité, en dehors des critères chirurgicaux, sont maintenant accessibles pour nous, les petits endoscopistes. Les patients entre 30 et 40 sont une bonne cible thérapeutique avec une efficacité en termes de prise en charge. Bien sûr, la prévention et l'éducation des gens et de la population est la clé, et la procédure même dans la prise en charge d'un patient, ce n'est pas un remède magique, ça doit vraiment s'inscrire dans une prise en charge longitudinale. Et je pense que l'approche multidisciplinaire qui est individualisée pour chaque patient, avec un suivi et un follow-up relativement serré, permet d'arriver à d'excellents résultats. Et nous avons maintenant la place pour quelques questions. On vous remercie pour cet exposé de qualité. Donc là, on ouvre les questions. Si vous avez des questions, vous posez des questions. Vous avez beaucoup de patients obèses chez vous? Oui, l'obésité est fréquente, hein, dans nos populations. Et surtout, ça touche de plus en plus des personnes jeunes, hein, même les enfants. Oui, donc c'est assez Donc, influent, hein, on est en train lié à. effectivement de mettre chez nous en place une filière de prise en charge pédiatrique avec des gastro-entérologues pédiatres, des diététiciennes et des psychologues spécialisés dans la prise en charge des enfants. Néanmoins, on sait que c'est surtout l'éducation des parents et l'éducation de la population en général qui est la clé du succès dans ces prises en charge-là. J'ai une question. Je vous en prie. Donc, pour les obèses, vous réalisez les gestes endoscopiques sous anesthésie générale.
Donc pour l'instant, les gestes sont réalisés sous anesthésie générale avec intubation. Néanmoins, pour des interventions qui sont relativement brèves, comme le placement d'un ballon intragastrique, on est aux alentours de 15 à 20 minutes, ou des techniques de suture entre des mains expertes, on est entre 30 et 45 minutes. Je pense que ça peut être des gestes qui peuvent être réalisés sous des connexions au propofol. Est-ce que vous avez des problèmes avec l'intubation, l'extubation, vu que c'est des patients obèses qui ont des Oui. soucis avec ça? Oui, donc on a pas mal de patients qui ont des apnées du sommeil ou des Cormac 4 avec des cous relativement courts et qui engendrent un risque d'intubation plus élevé, ou vous voyez des malampathies 3 avec des grosses langues, etc. Et donc c'est effectivement un choix de dire dès le départ, dans la discussion avec l'anesthésiste, on va aller vers une intubation pour ne pas prendre de risque, ou au contraire, on se permet de se dire qu'on fait ça comme ça. Ça m'est arrivé quelquefois de devoir sortir l'endoscope rapidement pour intuber le patient parce qu'il avait une apnée prolongée. Donc, je pense que c'est effectivement des risques qu'il faut mesurer avant l'intervention et en discuter avec l'anesthésiste. Ouais. Moi, j'ai une question, si vous me permettez. Donc, s'il vous plaît, c'est par rapport au profil, c'est quoi le profil des patients obèses à qui on pourrait proposer ces options-là, que ce soit une prise en charge chirurgicale ou endoscopique, pour que nous puissions au moins, nos cardiologues en consultation, leur exposer cette option? Alors, les prises en charge chirurgicales sont codifiées au niveau du système de soins de santé, c'est-à-dire qu'il faut avoir correspondre à certains critères. Les critères, c'est un indice de masse corporelle supérieur à 40 ou supérieur à 35 avec des problèmes de santé. Les problèmes de santé, c'est une hypertension artérielle réfractaire à deux antihypertenseurs, un diabète non équilibré malgré deux hypoglycémies, des apnées du sommeil avec un index d'apnée hypopnée supérieure à 30, des douleurs au dos avec de